Si est bien connu, comme le veut la tradition, le futur marié n'est censé découvrir la robe de sa dulcinée que le jour J. Mais Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de déroger à cette règle, comme l'indique The Sun le samedi 27 octobre. En effet, une exposition s'est ouverte le vendredi 26 octobre au château de Windsor pour exposer la robe de mariée de Meghan Markle et une réplique de l'uniforme de son époux. À cette occasion, les jeunes mariés ont enregistré pour des audioguides distribués aux visiteurs, des messages dévoilant tous les petits secrets de leur union. Le duc de Sussex y révèle notamment avoir aperçu la robe de mariée de sa chère et tendre avant leur mariage qui s'est déroulé le 19 mai dernier en la chapelle Saint-Georges. Le fils de Lady Diana a également rejoint la reine Elisabeth II pour choisir le diadème de sa belle. Je n'aurais pas dû être vraiment là, a-t-il glissé. Lors de cette exposition, le public découvre aussi la délicate attention qu'a eu le prince Harry envers Meghan Markle lors de la cérémonie. La mariée indique que le jeune homme lui a offert un bouquet de fleurs fraîchement cueillies. Le bouquet était composé de fleurs que nous aimons vraiment, confie-t-elle avant de poursuivre, nous avons un très petit jardin ici pour lequel nous avions planté des choses à l'automne et ce qui était vraiment spécial, je pense, si est-il que le matin du mariage, Harry est entré et il a cueilli des fleurs pour mon bouquet, qui était vraiment beau et si est-il quelque chose qui le rend sentimental et vraiment significatif.